Et salut les amis, c'est Age Dynasty, j'espère que vous allez bien en tout cas. Et aujourd'hui, nous sommes sur une vidéo d'un unboxing pour la roue GT1R de Simmagic. Elle est là, on va la déballer ensemble bien évidemment et faire des tests et donner mon avis par rapport à ce produit. Allez, ça se passe tout de suite. Cette vidéo, elle est sponsorisée par simware.eu. Encore merci à lui de me faire confiance et de me apporter évidemment les produits nécessaires pour moi permettre de faire ce genre de vidéo. Donc Simware est un site internet qui est revendeur de Simmagic depuis plus de un an et demi maintenant. Et franchement, on peut voir sur le site, je vous le conseille sérieusement car il y a des belles promotions pour l'instant, surtout avec le Simmagic, avec la roue GT1R, celle que je possède actuellement dans cette vidéo pour 950€. De toute façon, les liens sont dans la description, donc allez faire un petit tour et franchement, ça vaut le détour. Et voici pour le déballage de ce carton. Et déjà, rien qu'à voir la boîte, on voit déjà que c'est du produit de qualité. Franchement, le pactage, il est vraiment très joli, très soigneux. Enfin voilà, après, c'est que une boîte, c'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte, bien évidemment. Allez, c'est parti les amis. Et voilà, enfin retiré de ce carton, on retrouve évidemment une belle mousse de qualité. On voit bien l'épaisseur. On va enlever la première mousse. Ta-da-da ! On va la mettre sur le côté. Et on retrouve directement le papier de garantie. Comme toujours, ce Simmagic. Avec deux clés Allen que je vous expliquer à quoi elle sert. Un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc on va la mettre sur le côté. Et directement, on retrouve la belle bête. Voilà la roue GT1R et franchement elle est très belle, elle est vraiment très très belle, j'adore la couture avec la petite ligne ici jaune pour le centre, franchement très belle avec son QR, palette magnétique avec les palettes en carbone, véritable carbone et la sortie USB permettent à faire des mises à jour ou bien plus que je vous expliquais aussi dans cette vidéo. Et dedans, on retrouve bien évidemment le fameux câble USB qui est de bonne qualité en tout cas. Ça va permettre de faire des mises à jour ou bien plus. Donc c'est une roue de 33 cm de diamètre. Franchement, elle est vraiment très très bien. Et derrière, on peut remarquer aussi qu'on a les positions des mains pour venir vraiment avoir un confort ultime. Donc des deux côtés et bien évidemment ici au-dessus. Franchement, elle est très très jolie. Moi, je la kiffe. Je la kiffe vraiment. Donc voilà pour cette unboxing de cette roue GT1R. Et il existe aussi en version GT1D qui, je vous mets la photo, est un peu courbée vers le bas. Elle est très plaisible aussi, mais il n'y en avait pas de stock malheureusement. Donc, je n'ai pas su la voir. Peut-être plus tard dans les prochaines vidéos, peut-être qu'on le recevra. On verra. J'ai d'autres projets par la suite, donc ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de l'avoir là tout de suite, là maintenant. Et bien évidemment, je vous ai parlé de ces fameuses clés Allen qui sont ici. Ça sert en fait tout simplement à dévisser les vis du moyeu et venir enlever cette roue-là pour venir adapter une autre roue à votre guise. Simmagic a vraiment pensé à tout et on va vous montrer ici en vidéo. On va défaire les boulons du moyeu et je vais vous montrer par exemple de mettre une autre roue à la place de celle-ci pour vous montrer un petit avant-goût. C'est parti. Donc voilà, une fois démonté, on retrouve évidemment la roue qu'on va mettre de côté. Et on retrouve un up de 70 mm, donc 70 mm. Donc c'est un up qui est un peu universel, qui nous permet aussi peut-être de faire des genres de roues comme ça. Elle me servait pour le rallye. Voilà, c'est pour vous donner un petit avant-goût. Et après, bien évidemment, on retrouve le plateau avec tous les boutons. Voilà, franchement, très beau. Et voilà, une fois démonté, bah on peut venir juste placer une autre roue de ce type. Voilà, c'est une roue qui traînait un peu derrière pour un projet futur. Et on peut revenir remettre les vis dans le bon terme, évidemment. Et faire une roue personnalisée
comme ceci. Je vais pas la faire parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo, mais c'était vraiment pour vous montrer les phases qu'on peut faire évidemment avec ce type de roue, qui est vraiment pas mal pour moi. Et aussi ce qui est bien, voilà, avec ce type de roue, c'est qu'on peut venir retirer bien évidemment le QR d'origine SimMagic et on peut venir placer un QR SimiCube ou Fanatec pour avoir le panneau contrôle et avec la roue bien évidemment compatible sur Fanatec et aussi sur SimiCube grâce à l'emboîtement ici USB qu'on peut le brancher directement sur le PC et on peut se servir évidemment des palettes et des boutons qui sont dessus. Et pour parler un peu de l'infrastructure de la roue, franchement elle est pas mal. Nous avons 4 poussoirs comme ici, là et ici. Nous avons deux systèmes de roulettes qui sont vraiment très plaisants et nous avons deux systèmes de hockey. Hop, là par contre il reste bloqué vers le haut ou vers le bas. Je trouve ça vraiment très beau, très bien. Peut-être pour un système allumage voiture, ça peut être cool, celui qui n'a pas de box bouton. Voilà, franchement, je la trouve vraiment très bien. En alu, brossée, elle est très belle. Et évidemment, du carbone derrière en plaque. Franchement, elle est très très belle. Et voilà les amis, on va faire un petit test maintenant sur le PC, voir un peu la vie. Et apparemment, bah, une roue de 33 cm, ça devrait être fun pour évidemment tout ce qui est rallye, NASCAR. Après maintenant, il y a tout type de voitures aussi avec des roues rondes. Donc on va vraiment aller s'amuser et je pense une préférence d'aller sur e-racing. On va voir un peu ce qu'elle vaut dessus. Et voilà les amis, nous sommes sur le setup et on va brancher le volant GT1R. Et avant ça, je voulais vous montrer, c'est le même système que la GT4. Nous avons des pins à l'intérieur qui vont faire contact à la base. Et c'est vraiment très simple à brancher, comme vous pouvez le voir. Il suffit juste de pousser et voilà. Les boutons vont s'allumer en rouge. Ce qui est un peu dommage par rapport à la GT4, on ne peut pas configurer la couleur des 4 boutons comme sur la roue GT4C que j'ai actuellement. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, voilà. Ça en rouge, c'est quand même très possible, c'est quand même très propre. Et voilà, dans l'ensemble, c'est vraiment un petit reproche, mais c'est pas quelque chose de ouf non plus. Et nous voici sur e-racing, nous sommes en Mazda MX-5 sur le circuit de Zolder. Je me suis dit pourquoi pas faire un petit test avec cette voiture qui évidemment est une roue ronde. Allez, c'est parti, on va allumer cette voiture et on va voir ce que ça donne avec cette roue-là. Que déjà, elle est très plaisible, très douce, parce que franchement, le cuir, il est vraiment très bien. D'habitude je joue avec les gants mais cette fois-ci je n'ai pas mis de gants pour vraiment ressentir la qualité de la roue. Allez, on va démarrer, les boutons vont parfaitement comme vous pouvez le voir. On va retirer. Allez, jusqu'à présent elle est vraiment très bien pour ce type de véhicule. Elle va vraiment bien me servir pour la Fun Cup, surtout si. Les palettes sont vraiment bien placées. Après, on peut les rapprocher ou les raccourcir. Il y a deux petites vis à dévisser et on peut les bouger de position. Moi, là, perso, je n'ai pas à les bouger. Elles sont vraiment bien placées pour mes doigts. On sent bien que c'est magnétisé aussi. Franchement, elle est très confortable. J'ai vraiment rien à dire à ce niveau-là. On sent bien les emplacements des doigts à l'arrière. Qui a là-dessus aussi, mais bon, je me vois mal conduire comme ça. Perso, je me vois très mal de conduire comme ça. Perso, franchement, elle est vraiment magnifique cette roue. Je regrette vraiment pas.
Là, franchement, je suis amoureux de cette roue. J'adore. Franchement, pour rouler avec des voitures à des roues complètes, ça va vraiment être fun. Même en rallye ou autre. En NASCAR aussi, elle pourra bien servir. Franchement, elle est vraiment magnifique. Encore une fois. Ah voilà les amis, franchement, l'avoir testé ici quelques tours, franchement, elle est très plaisante. C'est vraiment une roue de qualité. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Les seuls trucs négatifs que je vais mettre en faveur de cette roue, c'est que c'est dommage qu'on ne peut pas changer les couleurs des boutons comme sur la GT4 C que je possède. C'est très dommage, mais bon, c'est qu'un petit détail. Après, le côté aussi déplaisant, c'est dommage qu'il n'y a que le jaune. Je veux dire, niveau couture et la barre centrale, enfin, la languette centrale, excusez-moi. C'est dommage qu'il n'y a qu'une couleur. Ça aurait été bien un rouge ou un bleu. Enfin, voilà, personnellement, moi, je pense que j'ai les mains moites, donc je joue beaucoup avec les gants. Et même avec les gants, j'ai peur que ça devienne noir à la place du jaune. Donc, voilà, c'est vraiment mon petit... Le petit truc déplaisant, quoi, au niveau de cette roue, ou sinon, franchement, je n'ai rien à dire d'autre. Le cuir, il est génial. On a vraiment la prise en main, le grip, il est extra, avec les petites bavures derrière quoi, pour attraper vraiment le volant, est vraiment magique. Les palettes sont nickel, les boutons nickel. Donc, elle est vraiment très extra et très plaisible à rouler avec ce type de roue. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de qualité comme ça, mais franchement, c'est vraiment de la bonne qualité, quoi. On le sent vraiment. Hein. Donc, voilà. Et voilà, c'est sur cette fin de vidéo, en tout cas, que je vais vous faire un petit message pour tous ceux qui me suivent depuis le début. Un grand merci à vous, déjà, car sans vous, il n'y aura pas tout ça. Un énorme merci à SimMagic et à Simware.eu. pour m'avoir fourni ce matériel qui est de top qualité. Un grand merci en tout cas à mon sponsoring de me faire confiance. Et je pense qu'on se retrouve très prochainement pour des belles aventures de Sim Racing. Allez, ciao, ciao!